J'ai un lien très fort avec le Tibet. J'ai une vive conviction que j'ai déjà vécu là-bas. C'est un peu comme si c'était mon pays. Et de ce fait-là, je suis très attachée aussi au Dalai Lama. Il vient fréquemment dans mes rêves. Je lui parle comme si je le connaissais de toujours. Alors, je l'ai déjà vu, bien sûr, pendant cette conférence. J'ai vu aussi la réincarnation de Kalon Rinpoche ici, lorsqu'il est venu à l'âge de 4 ans. Voilà. Puis j'ai aussi eu l'occasion d'aller au Tibet. Alors là, j'ai été un petit peu déçue dans la mesure où on voit effectivement l'imprégnation chinoise d'une façon très importante. Et il faut aller très très haut, près des îles Himalaya, vraiment pour sentir la lumière qui émane de ce lieu. C'est une lumière particulière. Il n'y a pas de mots pour décrire. C'est un contact très profond. Et de ce fait-là, je suis toujours très contente de revenir dans ces manifestations. C'est fini.